Salut à tous, salut Brak. Salut Bruce, salut à tous et bienvenue dans Bean Iligan, le mag qui retrace l'actu de l'Iligue 1. On espère que vous êtes bien contents d'être avec nous. Nous en tout cas c'est le cas. Les amis, dans une semaine les coupes clubs. En tout cas il y a encore des matchs de qualification qui se jouent. Bruce, juste avant, moi j'ai une petite question. Est-ce que tu as récupéré ta voix Bruce depuis la semaine dernière? Ça va un petit peu mieux. J'ai toujours une extinction de voix dans l'année, tu le sais. J'espère que ça va aller mieux. C'est vrai que la semaine dernière il y avait un début de quelque chose. Ah c'est, on l'a senti, je pense que ça va se retrouver dans les bêtisiers. Allez, le sommaire avant de commencer. Les phases de qualification approchent de leur terme pour cette quatrième saison de l'e-Ligue 1. D'ailleurs, les inscriptions sont désormais terminées, c'est fini. Nous ferons une nouvelle fois le point dans cette émission sur l'avancée de certaines coupes, notamment à Nîmes avec le retour d'Olivier Caumont, à Angers où évolue un certain Linz, l'ancien coach de Rafsou, ou encore du côté de Metz, un joli tour à venir. C'est la magie des arbres qui le veut. Parfois, nous avons le droit à de véritables chocs. Et sur la coupe de qualification du Stade de Reims sur Xbox, ce sont deux joueurs qui n'en sont pas à leur premier coup d'essai qui se sont croisés. D'un côté, Noylls, joueur extrêmement expérimenté. De l'autre, Hugo Neymar, dont on vous a déjà parlé et qui s'est révélé lors de la troisième saison. C'est une demi-finale, c'est notre attrafiche de la semaine et ça promet. La nouveauté du mag de l'e-Ligue 1 cette saison, vous le savez, c'est l'interview. Régulièrement, nous recevons des joueurs qui font l'actu de la compétition et de la scène FIFA de par leur performance, mais pas que. Nous vous proposons d'en apprendre un peu plus sur ces figures incontournables. Et pour ce quatrième numéro, c'est Cursorr que vous voyez à l'écran, qui sera en duplex avec nous. Alors on aura bien évidemment quelques news à vous donner, notamment sur l'eFoot de France et le retour cette semaine de la carte de la semaine. Commençons par les qualifs, si tu le veux bien Bruce, un petit point justement sur ce qui se passe à l'heure actuelle. Parlons du PSG pour commencer avec ce joueur, Arthur 37. On vous en a déjà parlé la semaine dernière, mais justement on fait un petit peu le suivi semaine après semaine. Et encore une fois on peut le dire, hein, Arthur est bien présent. Sachant Bruce, il faut le dire, il y a des coupes de qualification qui sont bien plus chargées que d'autres, notamment sur le PSG où on a... voilà, plus de 500 joueurs inscrits, ça va être différent sur certains autres clubs et évidemment, ça va être un petit peu plus dur. Ouais, ça dépend forcément des clubs. Le PSG, c'est forcément une équipe qui attire beaucoup de monde. Mais en tout cas, là, on a vu Arthur hein, qui a déjà marqué son but avec un petit peu de réussite. C'est vrai qu'il a l'air bien chaud en ce moment, Arthur. Ouais, il a l'air bien chaud et il est comme je vous le disais, régulier. Alors lui, il est bien sur PS4, hein, il se fixe sur cette console et ça marche plutôt bien. On vous rappelle qu'il avait été quand même demi-finaliste en finale nationale de l'e-Ligue 1. Arthur 37, donc pour l'instant, pas éliminé et bien en course. On rappelle que le chemin va être très très long. On vous montrera d'ailleurs un petit peu ce qui se passera au niveau des coupes clubs un peu plus tard dans l'émission. Victoire 4-0 du coup pour le l'ancien représentant parisien. C'est pas encore fait pour cette saison. Passons à Angers, parlons d'un joueur. Je vous en parlais dans le sommaire. Linz, vous avez trouvé peut-être ça un petit peu insolite, mais c'est vrai qu'il a été coach de Rafsou, Bruce, sur la deuxième saison. Et là, il est joueur. Alors apparemment, il y a du talent, il y a du niveau. Est-ce que pour toi, on peut être très bon coach et très bon joueur en même temps? Oui, bien sûr. Ben, on parlait aussi, on a l'exemple de Brian, ouais. Voilà, hein, qui coach l'équipe de France notamment. On va en reparler tout à l'heure. Qui est aussi joueur. Généralement... il y a plusieurs casquettes. Il y en a, ils sont capables d'être joueurs, entraîneurs, youtubeurs. C'est vrai que c'est un ancien youtubeur. Un petit peu tout. Et je sais que tu l'aimes beaucoup, Linz, puisqu'il y a une petite rivalité entre lui et toi. Vous affrontez pas mal. Je crois que tu avais gagné les derniers matchs. Je reste sur une victoire contre Linz, mais ça date de FIFA 19. Donc c'était facile. Ouais, c'était facile. Il va falloir faire une petite mise à jour pour savoir où on en est. Mais en tout cas, oui, Linz qui, on le voit, 4-0 face à son adversaire, face à Clem Fou, dans ce huitième de finale sur la Coupe d'Angers. Il est en forme. Ouais, bah, la logique est respectée. On l'a vu avec Arthur un peu plus tôt. Un score assez fleuve. Et là, c'est la même chose pour Linz. On va dire que les gros s'en sortent plutôt bien. C'était l'une de nos news dans l'épisode 3 de cette quatrième saison. Le retour de Nino 7. Hein, vous le connaissez, Olivier Caumont. Il avait fait finale plateau justement dans la première saison de l'e-Ligue 1. C'était contre Manika. Nouveau joueur donc de la Provence Gaming. On était très curieux de savoir ce qu'il était capable de faire cette saison sur FIFA 20 et son état de forme. Visiblement, il est en forme, il est qualifié, Bruce. Il est qualifié, et oui, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'on était très contents d'apprendre son retour, on va dire, sur le devant de la scène. C'est vraiment un joueur très apprécié dans la communauté, et en plus de ça, un très très bon joueur. Et il va le prouver une fois de plus sur cette rencontre. Voilà, vraiment un très beau jeu. Alors Bruce, on va justement bien regarder cette action, mais il y a un truc qui nous frappe très souvent quand on regarde jouer Nino, c'est qu'on reconnaît très très rapidement son style de jeu. On le voit tout de suite, on sait que c'est Nino. On sait que c'est Nino, oui, il recherche toujours la dernière passe. Voilà, on essaye d'assurer un maximum, on ne va pas tirer au hasard, donc c'est un jeu de possession, on essaye de rentrer dans la surface et de trouver cette fameuse passe qui va faire toute la différence. Voilà, comme c'est le cas là, encore une fois, il arrive très souvent à trouver la solution parce que voilà, il a tellement de cordes à son arc que c'est compliqué justement de défendre sur lui. Et Nino, voilà, qui va donc ici assurer cette qualification tout juste recrutée du côté de la Provence Gaming. C'est une bonne nouvelle. Le chemin est encore long en e-Ligue 1 cette saison. Il y a encore les coupes clubs qui vont arriver la semaine prochaine. Donc il n'est pas encore sorti de l'auberge, le Nino. Passons maintenant à Metz, les qualifications sur Metz. Alors, e-Ligue 1, comme le dirait un certain Nico Bertet, c'est pas que l'histoire, c'est pas que l'affaire des pros, c'est pas que l'affaire des stars. On a deux joueurs qui nous ont envoyé leur finale, Bruce, voilà, de manière comme ça spontanée. Alors, on le rappelle, pas besoin de jouer la finale en qualification. Être en demi-finale suffit pour accéder aux coupes clubs. Mais ils ont quand même joué le match, histoire peut-être de se jauger. Ouais, et aussi de se faire plaisir. Voilà, et puis ils aiment aussi être diffusés comme ça, donc c'est plutôt cool. Mais voilà, comme tu l'as dit, hein, c'est vrai qu'il y a des joueurs pros, il y a des joueurs confirmés, il y a aussi toujours des joueurs qu'on continue à découvrir chaque saison. Et c'est ça qui fait aussi le charme de cette compétition, un petit peu comme la Coupe de France. Ouais. Alors voilà, c'est Desch hein, ici en blanc qui affrontait Baby Balou. Alors Bruce, ouais, il y a pas mal de pseudos. Je me suis pas risqué sur son pseudo, ouais. Tu me connais, je suis le roi des remixes. Ah ouais, non. Je sais qu'il y a pas mal de pseudos assez farfelus en e-Ligue 1. J'aime bien, voilà. J'aime bien. Ouais, j'apprécie aussi, c'est ce qui fait aussi le charme de notre compétition. Mais voilà, Desch qui remporte ce match. Baby Balou, on te rassure, tu es bien en Coupe Club. C'est pas fini pour toi, mais en tout cas, bravo aux deux. Allez, on passe aux news. l'eFoot de France vit sa troisième saison. On vous en parlait la semaine dernière avec l'appel des 16 joueurs hein, par le nouveau coach Brian Savary. Et il y avait ce fameux camp de sélection, Bruce, qui permettait justement à Brian de choisir ces 6 joueurs qui allaient représenter la France lors des échéances internationales à venir. Alors 2 joueurs ont remporté leur ticket via les qualifications, via le tournoi organisé, Dino et Eurosia. Et Brian a fait ses choix et a choisi 4 joueurs en plus, Bruce. Exactement, et donc ces joueurs, c'est Cursorr, Rocky, Maestro et Mino. Bien évidemment, c'est compliqué pour Brian de choisir, hein, parce que forcément, on va faire des déçus. Voilà, on pense notamment à Rafsou et Dax, qui ont régulièrement été appelés ces derniers temps et qui ont été très performants, notamment la saison passée. Absolument, on le voit ici, hein, c'est que des visages qui évoluent en e-Ligue 1. Le sélectionneur lui-même évolue en e-Ligue 1. Brian Savary, c'est un petit peu voilà, aussi ce qui fait le charme de cette e-Foot de France. On le voit d'ailleurs ici à l'image jouer. Maestro, champion de France en titre, hein, toujours sélectionné avec cette e-Foot de France. Mino, qu'on a eu en interview, aussi joueur de l'e-Ligue 1. Donc voilà, vraiment bonne chance à nos bleus. On a hâte de découvrir leurs premiers matchs amicaux et cette e-Nations Cup à venir. Attention, petite info très rapide aussi, vérifiez bien vos effectifs, car il y a un joueur, Adama Soumaoro, qui n'évolue plus en Ligue 1, qui était au LOSC, qui a été prêté au Génois. Donc voilà, si jamais il se trouve sur votre banc, n'hésitez pas à l'enlever pour ne pas vous faire éliminer de la compétition. La carte de la semaine. Alors, chaque saison dans FIFA, les joueurs progressent et voient leurs éléments évoluer. On le sait, Bruce, hein, les notes varient d'un FIFA à l'autre. Forcément, la carte de la semaine est là aussi pour vous aider à faire vos choix. Et c'est Bruce qui nous la présente comme à chaque fois. Quel est ce joueur, Bruce? Alors, ce joueur, c'est Awar, donc le milieu de terrain de l'Olympique lyonnais. Il avait eu une carte Future Star l'année dernière. Qui était incroyable. Qui était incroyable. Oui. Et là, c'est une carte qu'on pouvait récupérer dans les objectifs de saison. Je ne sais pas si tu l'as récupéré, Brak. Ouais, gratuitement. Donc voilà, fallait gagner pas mal de points à droite à gauche pour le récupérer. Vraiment une carte assez intéressante. Déjà 87 de note générale et un joueur ultra complet hein, qui est quasiment à plus de 80 partout. Donc on peut le jouer en 10, on peut le jouer en 8, on peut même le jouer en 6, je pense. Si à côté, on met un pur milieu défensif. Donc voilà, on le sait, un joueur très à l'aise, balle au pied, qui a aussi un peu de finition, qui est très technique. Voilà, très bon passeur. Donc bien évidemment, on pense à Awar et je pense qu'on va le retrouver dans pas mal d'équipes. Et là, quand on voit les stats, on imagine bien qu'une carte style pourrait faire grand bien à cette carte. Laquelle, justement ? Tu sais que c'est une carte que j'aime beaucoup, œil de lynx. Voilà, ça booste la vitesse, la finition et notamment donc le tir, toutes les stats qui gravitent un petit peu autour et puis aussi le physique. Voilà, parce que vu qu'il est qu'à 78, s'il peut avoir un petit peu plus de puissance notamment, ça peut être un plus. Mais de toute façon, on peut le laisser comme ça, ça fera le boulot aussi. Hein. Très bien, eh ben, c'était encore une fois très clair. Merci à toi, Bruce. On revient dans un instant pour cette affiche entre Noylls et Hugo Neymar. A tout de suite. Vous regardez beIN Iligan, merci beaucoup à vous d'être avec nous. Il est l'heure de passer au match en grand format. Alors c'est une belle affiche hein, qu'on a à vous proposer vraiment cette semaine, une rencontre qui fait presque office de finale stade entre Noylls et Hugo Neymar, et on en est encore assez loin hein, de ces finales stade. Pour le moment, commençons traditionnellement par les compos, Bruce, avec celle de Noylls. Noylls qui est sur sa console de prédilection, les deux sont sur les deux tableaux. Mais là, c'est plutôt Noylls qui a l'avantage. Ouais, petit avantage à Noylls, même gros avantage qu'on voit là, qu'il y a tout le monde, hein, tout simplement. On voit Neymar, Mbappé, Ben Yedder, Gelson Martins devant. La paire là devant la défense, Renato, sa carte Futmas vraiment monstrueuse, aux côtés de Sanson, hein, c'est sa carte headliner, vraiment très très bon aussi, donc c'est solide. Et puis derrière, on fait confiance aux gardiens nantais, Lafond avec la charnière Kipembe Denayer, Aguillard et donc Attal au niveau des latéraux. Et justement maintenant, Hugo Neymar, voyons voir ce qu'il a pu faire. Sachant que c'est un joueur PS4 à la base. Alors là, forcément, on a pas mal de cartes régulières et on n'a pas Neymar ni Mbappé. Donc, gros avantage pour Noylls, comme tu le disais avant. On a Renato Sanchez devant la défense et Gueye, donc le Parisien pour le soutenir aussi. C'est la même charnière. On a fait confiance plus à Lecomte dans les buts. Et puis Attal qui continue à être baladé un petit peu partout. On le sait qu'il est très polyvalent. Il va être latéral gauche, Meunier à droite. Voilà, et devant, bah, on a du Depay, on a Di Maria et Gelson Martins aussi. Mais c'est sûr que sans Mbappé et sans Neymar, ça risque d'être compliqué. Ouais, on voit qu'il y a tout de même une grosse différence quand même. Va-t-il tenir le choc? C'est parti. Cette rencontre donc entre Noylls et Hugo Neymar. Noylls en bleu dans ce match. C'est lui d'ailleurs qui engage dans cette partie. Et Hugo Neymar, vous l'avez compris, en rouge et blanc. Là, on a vraiment une vraie différence, Bruce. Et on sait que sur les derniers FIFA, c'est de plus en plus difficile de faire la différence avec une équipe avec des éléments de qualité assez moindre. Ah, c'est vrai que c'est compliqué. Noylls part avec un avantage. Mais à ce niveau-là, il faut quand même se méfier. Parce que voilà, quand on a le niveau d'un joueur comme Hugo Neymar, forcément avec des Gelson Martins, Di Maria, Depay, Ben Yedder, c'est des joueurs quand même assez complets, assez techniques. Donc voilà, hein, il suffit qu'ils soient dans un bon jour et ça peut aussi faire très très mal. Alors Hugo Neymar, c'est son pseudo, hein, on le précise. On a eu Baby Balou tout à l'heure, mais là, Hugo Neymar... ce n'est que son pseudo. Mais en tout cas, on le rappelle, hein, Hugo Neymar, qu'on vous avait présenté dans l'émission à de nombreuses reprises. On sait qu'il a vraiment un certain talent. C'est sa deuxième saison vraiment à ce niveau-là en e-Ligue 1. Et il est encore en course. On sait que sur PS4, ça se passe encore mieux que sur Xbox. Mais évidemment, les joueurs ont la possibilité d'assurer le coup sur l'autre console, si jamais ça se passait mal sur la console de base. Exactement, ils ont une console de prédilection, mais ils vont tenter aussi leur chance sur une deuxième console. Et attention, là, on va trouver l'excellente passe. On aurait presque pu tirer avant avec Neymar, mais finalement, cette dernière passe pour trouver Ben Yedder, qui va tirer un petit peu d'eau au but, comme ça, se retourner. Ouais, mais ça lui pose pas de problème, ça, Ben Yedder. 5 étoiles, mauvais pied. Et donc, l'ouverture du score, hein, déjà pour Noylls, là, en ce début de match. Donc forcément, ça va se compliquer un petit peu plus là. Ouais, Wissam Ben Yedder donc qui ouvre le score pour Noylls. Ça nous permet de parler, Bruce, tu sais, de ces fameuses cartes. On vient de voir la carte de la semaine. Les futures stars qui viennent de sortir. On a Moussa Dembele qui fait partie de cette équipe. Est-ce que pour toi, c'est un joueur qui va pouvoir peut-être bousculer un petit peu la hiérarchie vis-à-vis de Wissam Ben Yedder? C'est possible. Après, c'est vrai que Ben Yedder, il a l'agilité, on le disait, 5 étoiles en mauvais pied, 4 étoiles geste technique. Et puis, il n'a pas une si grosse note générale que ça. Même s'il a une grosse carte à 88, ça on peut l'avoir à 86, 85, même 83 dans sa carte de base. Donc forcément, avec les critères cette saison, ça peut être intéressant. Alors que Dembélé, vu qu'il a une note assez haute, bah, ça peut poser quelques soucis. Attention ici à Hugo Neymar, la réaction. On est à la 17e minute de jeu. Cette frappe premier poteau, Bruce. Ouais, cette frappe premier poteau, c'était pourtant très bien joué. Et c'est là où des joueurs peuvent faire la différence. Hein. Neymar ou Mbappé. Et là, j'imagine bien Neymar sur cette frappe-là. Je pense que ça finissait au fond. Ça fait un petit peu écho à ce que tu disais tout à l'heure. Hein. C'est vrai qu'on peut vraiment bien faire la différence, mais c'est vraiment beaucoup plus dur. Il y aura un petit peu plus de déchets, bien évidemment, et on pourra faire un petit peu moins de différence. Attention ici... à cette phase de possession qui dure côté Noylls avec Renato Sanchez. Et là, on va passer presque dans le soupirail avec Neymar Junior. C'est vraiment une position qu'il affectionne et ça fait donc 2-0 pour Noylls. Ouais, je pensais qu'il allait avoir une ultime passe là pour trouver Ben Yedder. Encore plus. Parce que là, c'est vrai que le gardien était assez proche, mais finalement, Neymar qui arrive à glisser ce ballon sous le gardien. On parlait de finition un petit peu plus tôt. Voilà pourquoi Neymar et Mbappé, par exemple, sont indispensables. Et surtout Neymar, parce qu'au niveau de la finition, c'est l'un des meilleurs du jeu. Oui, on vous le rappelle, on le sait, hein, c'est au niveau aussi de sa finition sur son mauvais pied. Il est capable vraiment de tirer du pied droit, du pied gauche comme du pied droit. Et ça fait vraiment extrêmement mal aux défenses adverses dans le jeu. Attention, 30 minutes de jeu, Bruce, oui. Ouais, et on en parlait même entre nous, il y a de ça quelques jours. On disait que c'était sûrement le meilleur joueur du jeu. Oui. Parmi les cartes de base, c'est sûrement le meilleur joueur du jeu cette année, Neymar. De toute façon, il n'est jamais très loin. On a la chance de l'avoir en Ligue 1 et de pouvoir voilà, jouer avec lui en e-Ligue 1. Mais c'est vrai que oui, en effet, hein, de par son agilité, de par sa vivacité, sa frappe de balle aussi, ses qualités de finisseur dans le jeu, c'est vrai que ça en fait quand même peut-être le meilleur élément dans FIFA Ultimate Team cette année. 39e minute de jeu pour l'instant, Bruce, et Noylls qui poursuit sa petite balade. Et cette passe, encore une fois, donnée dans le bon tempo, l'appel, l'œil, le coup d'œil, 3-0. Ouais, là, c'est l'inverse. Hein. C'est Ben Yedder qui a rendu la politesse à Neymar tout à l'heure. C'était l'inverse. Ouais. C'est vraiment très très bien joué, mais là il le paye hein, parce qu'il y a eu cette erreur, hein, cette perte de balle sur le côté. Et là 3-0 juste avant la mi-temps, ça fait très très mal. Ouais, ça pique. Et on le voit bien, Hugo Neymar qui manque de solutions, qui manque aussi de tranchants. On l'a assez rappelé je pense dans cette première période, de par son équipe, qui ne lui permet pas pour l'instant de s'exprimer. On sait que c'est un joueur qui, justement, ressemble à Noylls hein, dans les codes, dans son style. La force tranquille. C'est ça, force tranquille, un joueur qui sait faire tourner aussi. Mais on voit aussi toute l'expérience de Noylls. Hein. La 45e approche, il ne se jette pas, il prend bien son temps pour jouer cette dernière occasion. Après, Noylls joue aussi très très bien les coups. Hein, parce que même si on est une meilleure équipe, ça ne garantit pas la victoire. Ça ne veut rien dire, oui, bien sûr. Et parfois, ça peut rajouter un petit peu plus de pression, parce qu'on se dit qu'on doit absolument gagner vu qu'on est une meilleure équipe. Et parfois, ça peut être l'effet inverse. Donc voilà, c'est pas toujours facile à gérer, mais en tout cas une première mi-temps très très bien gérée, justement plein de maîtrise de la part de Noylls. Ouais, Noylls donc qui est en train de se diriger tout droit vers les coupes clubs, à moins qu'il reste encore du temps. On est là à la 67e minute. C'est Hugo Neymar hein, qui attaque, qui va mettre un petit coup de boost hein, dans ce match, histoire de peut-être s'offrir un peu de suspense dans cette partie. Avec Idrissa Gueye là qui arrive, le contrôle avec Sanchez. Ouais, c'est fermé, hein. C'est fermé dans la défense de Noylls. On est quand même bien en place. Ah, on est bien en place, c'est pas évident. Oula, un petit peu de réussite et ça va faire but. Eh ben non. Encore une fois, Bruce. Encore qui vient rater ça. Ouais, on parlait de finition. Pourtant, là, il avait eu un petit peu de réussite avec cette petite feinte. Là, il a bénéficié d'un petit compte favorable. Et pourtant, là, Memphis, en général, à cette distance, ça fait quand même but. En tout cas, il trouve le cadre. Et là, cette frappe ouais, qui vient fuir le cadre, justement, c'est un petit peu bizarre. Il était peut-être sur son mauvais pied, mais logiquement, avec un joueur comme Neymar, attention l'erreur. L'erreur de Noylls et cette relance sur Angel Di Maria, un cadeau pour Hugo Neymar. Un cadeau, comme tu l'as dit. Voilà, c'est aussi le souci de ces gros joueurs, c'est à chaque fois d'essayer de relancer proprement et donc de prendre beaucoup de risques derrière. Et parfois, bah, c'est le revers de la médaille, hein, on peut commettre une grosse erreur et ça peut coûter un but, c'est ce qui s'est passé. Attention tout de même, parce qu'il reste largement de quoi faire en termes de temps. Peut-être la dernière occasion réelle, 90e minute pour Hugo Neymar. Un but maintenant pourrait véritablement relancer le suspense. Le pressing de Renato Sanchez qui rentre dans la surface. Le temps additionnel a été affiché. La passe en retrait et la frappe. Et finalement, on était bien positionné avec l'autre Renato Sanchez. Ouais, là, c'était très, très chaud. Hein. Finalement, Noylls qui maîtrisait cette rencontre et qui s'est fait un petit peu peur là, dans cette fin de match. Ouais. Mais finalement, il va quand même s'en sortir. Ouais, qualification donc de Noylls qui avance dans cette coupe rémoise. Bravo à lui. C'est pas fini pour Hugo Neymar. Il restera sa chance sur PS4. Passons maintenant à l'interview. Alors un peu plus tôt, on vous le disait, hein, il fait partie des 6 joueurs qui intègrent donc l'eFoot de France, pardon, c'est mieux comme ça dans ce sens-là. Il est déjà qualifié pour les coupes clubs de l'e-Ligue 1 depuis la première vague de qualification, c'est-à-dire très très tôt. Il ne cesse d'enchaîner les bonnes performances. C'est bien entendu Yann Robin, alias Cursorr, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Salut Cursorr, comment ça va? Salut Brak, salut Bruce, ça va très bien avec vous? Salut. Eh ben, ça va très bien, merci beaucoup, merci pour nous. Alors Cursorr, ça va faire maintenant quelques mois que tu es vraiment dans la forme de ta vie. On te suit depuis un petit moment avec Bruce, on t'a vu hein, lors de ton éclosion quand tu avais signé à Tours, tu avais été justement recruté par ce club, on te voit sourire, mais c'est vrai que c'est un joli souvenir. Explique-nous Cursorr, quel a été le déclic pour toi? En vrai, le déclic, on en avait déjà parlé sur la dernière session d'e-Ligue 1, c'était vraiment en fait ma transition entre le lycée et les études supérieures, qui m'a laissé beaucoup de temps libre. Et c'est là où j'ai pu en fait plus jouer au jeu, où dans des années, d'habitude, je faisais 600 matchs, je pouvais passer à 1000, 1200 beaucoup plus rapidement. Et à force de grind, et c'est ça qui m'a permis d'évoluer et de devenir aujourd'hui un des meilleurs joueurs français. Alors, grimper, hein, on fait la traduction aussi. Bruce. Oui, c'est vrai que Bruce, le nombre de matchs joués compte aussi. Comme pour les joueurs, il faut vraiment s'entraîner régulièrement pour faire partie des meilleurs. Bah forcément, c'est comme le sport traditionnel. Hein. Plus on a de temps à consacrer à sa passion et à son entraînement, meilleur on sera. Donc voilà. Puis forcément, on est un peu plus en forme. Quand on doit aller à l'école ou travailler à côté, faire beaucoup de choses, bah forcément, on va être un peu plus fatigué et c'est compliqué de tout gérer. Ouais. Absolument. Cursorr, sur FIFA 19, t'es convoqué en eFoot de France. T'es convoqué, mais malheureusement, tu passes à deux doigts d'intégrer vraiment la sélection. Cette année, c'est bon, c'est fait. Tu as été sélectionné, choisi par Brian Savary. Raconte-nous un petit peu, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Parce que c'est vrai qu'il y a eu la frustration et là, du coup, le bonheur. C'est ça, du coup, les deux sessions, en soi, elles se ressemblent vachement pour moi. Parce que la première, bah, j'étais pas du tout attendu. Je fais demi-finale et je perds à la 90e, donc contre Rafsou. Et cette année, il se repasse exactement la même chose. Je fais encore un très bon tournoi, je reviens en demi-finale. Et je perds cette fois-ci donc au but en or contre Eurosia. Donc forcément, il y avait la même frustration, la même déception de moi-même. En fait, j'ai mal joué sur ce coup-là. Et j'avais tous les souvenirs qui revenaient dans ma tête en me disant « Est-ce que cette fois, ça va le faire? Est-ce que j'ai pas encore raté ma chance, etc. » Et quand Brian commence à annoncer les choix, qui sort Mino en premier, Rocky en deuxième, et je regarde autour de moi, je dis « Il reste deux choix. Il reste Dax, Rafsou, Maestro. Ça va être très compliqué. » Et mon nom sort, c'est une fierté, un soulagement qui est total. Forcément, Bruce. Ouais, bah non, bah, comme il l'a dit, hein, c'est sûr que ça doit faire plaisir d'être sélectionné. Et j'avais peut-être une petite question. On sent que tu as progressé voilà, depuis quelques temps, forcément. Tu as pris de l'expérience. Qu'est-ce que tu aimerais accomplir justement cette saison? Quel est ton objectif principal? Voilà, est-ce que tu t'es fixé des objectifs ou alors tu prends tournoi après tournoi et tu verras bien ce qui se passe? Non, forcément, j'ai des objectifs. Donc, l'équipe de France en était un, il est réussi. Donc, forcément, ça me motive à poursuivre et à essayer d'aller chercher plus haut. Après, je veux faire une grosse performance à l'e-Ligue 1, donc championnat de France, où à chaque fois, malheureusement, mais je m'arrête assez tôt dans la compétition. Et après, je veux retourner au play-off. Donc, la e-Ligue 1 peut me permettre en plus d'aller au play-off et pourquoi pas viser la World Cup selon la forme dans laquelle je serai pour la fin de saison. Et c'est pour ça que l'e-Ligue 1 est justement vraiment prisée par les joueurs parce qu'elle permet d'accéder, Bruce, au circuit officiel de la compétition. Cursorr, on sait que tu es sur Bordeaux. On te souhaite vraiment bonne chance. On te retrouve au Coupe Club. C'est la prochaine étape. Absolument. Ça. Donc, bonne chance à toi et merci encore d'avoir été avec nous. C'était un véritable plaisir. Pas de souci, merci à vous. Salut. Au revoir. Merci Cursorr. Allez, avant de se quitter, on en profite pour vous donner de nouveaux noms de joueurs qui donc poursuivent leur chemin en Coupe Club dans le tableau qui va s'afficher à l'écran. On le voit ici sur Saint-Etienne, sur Monaco, Marseille, Amiens et Metz, justement, Desch et Baby Balou. Donc voilà, on rassure encore une fois Baby Balou, au cas où il n'aurait pas trop compris. Voilà, c'est bon, il est tranquille maintenant. Voilà. Tu es bien en Coupe Club. Fiori Class et Erwan sur Monaco. Au niveau de la Xbox One maintenant, on le voit aussi, voilà, des noms. Radium, hein, c'est un nom qu'on connaît très très bien. Les pseudos, ça part de plus en plus en vrille. Hein. J'ai l'impression que plus le temps passe, c'est parce que tout doit être pris, mais j'ai l'impression que maintenant, ça va très très loin. Oluja Istoka, ouais, on a hâte de te voir avec nous. LD5769, peut-être un code nucléaire, je ne sais pas. Superviseur qui est bien présent, Bruce aussi, on en avait parlé, attention. Superviseur est là, Noylls Benouz, Nino 7, on a parlé de lui un petit peu plus tôt dans l'émission. Bravo à vous tous, vraiment, ça nous fait plaisir de vous voir là et on espère que vous arriverez à performer en Coupe Club. Maintenant, justement, le programme de ces Coupes Club, regardons-le. Les Coupes Club qui vont commencer dès le 2 février, Bruce, avec l'OGC Nice, le Stade Brestois, Bordeaux, Cursorr, qui va donc être très rapidement engagé. Dijon, Strasbourg et par la suite, voilà, étape par étape, on va lancer les coupes clubs des autres clubs. Le 9 février avec l'OM notamment, Monaco. Le 16, les coupes parisiennes, Nîmes, Angers, Nantes. Voilà, je pense que tu suivras. Non, oui, bien évidemment. Sûr. Et le 23 avec l'OL, notamment le Stade Rennais, Toulouse, le LOSC et Montpellier. Un gros programme. On commencera justement à en parler dès la prochaine émission, si tout se passe bien. Merci à toi, Bruce. Bah merci, Brak, comme d'habitude. Au top. Vraiment, la voix, elle est restée nickel. C'était comme ça. Ok, bah, trouver quelque chose pour la semaine prochaine. Non, mais c'est vrai, faut le rappeler, c'était drôle. Merci à tous. Jouez bien et jouez sérieux. À très vite. Résultats, vidéos, actions, réactions. BeIN Sport.com.